Une autre fois encore, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, à travers Radio Télé Petite Maman Marie, rentre la caillou. Nous saluons toute Petite Maman Marie qui est dans quatre coins du monde. Je nous remarque, nous retournons à la Gonave. Nous venons à la Gonave pour lancer le projet 4 salles classe avec un bloc sanitaire, plus une belle galerie sous forme de couloir qui connecte 4 salles classe. Nous remercions toute Petite Maman Marie qui prend plaisir pour toujours aider nous dans tout projet. Mais spécialement pour le projet, nous remercions Madame Marie-Yonique Augustin qui nous aide pour nous faire 4 salles de classe pour l'école La Gonave qui est la grande source. Madame Yonique, merci. Depuis vendredi, nous sommes ici
Ils ont tout passé en sa galère, les élèves avec Jeff, ta chèche. Ils ont tout passé en sa galère, ils ont acheté ciment, et là ils ont monté dans ici là, ils ont acheté fer pour construction d'école là. Donc dans les noms, il y a un monde de cité, c'est Marie-Yonique Augustin. C'est lui-même qui a financé pour nous capables de construire l'école là, l'école présbytérale noire. Donc, mais ça qui justifie présence, monsieur la matinée, qui venait lancer travail, construction, l'école là. Nous, en plein chantier, côté y a fouillé fondation pour l'école là. Nous, ensemble avec une jeune, aujourd'hui, qui décide de faire un gros combat, yo dit, yo pas payé moun pour sol là, c'est paroisse là. Jeune yo avec tout l'autre grand moun yo qui vini ensemble dans un combat pour fouiller sol pour l'école là. Comment senti aujourd'hui a qui vient aider l'église là, qui vient aider l'école là. Ma petit bonjour à tout le monde. Me senti très content pour me travailler ensemble avec paroisse moi qui a bâti l'école et m'a dit merci ensemble avec tout le monde tout qui d'accord répond ensemble avec besoin l'église là. Je viens travailler aujourd'hui avec cœur content parce que il y a augmenté l'école là, c'est un bel geste. Té gon époque de la dame d'a fait 4e année et tout rêve moi c'est pour me dériver plus loin là-dedans. Je t'ai arrivé qu'en pile, ça te fait mal en pile. Pour moi même pas comme moi content. Tout ça t'a fait aujourd'hui parce que une fois dans l'enquête moi d'accord moi content. Parce que son plus gros fierté lié pour l'église là, on est dit t'a fait travailler ça. L'école nous gagne pas trop confortable. Moi content en pile parce que nous va gagner un nouveau l'école. Merci à tout le monde qui a aidé nous. Moi remercier monde qui a fait construire l'école là pour nous, que bon Dieu bénisse. C'est avec un pile joie qu'a débordé dans cœur moi, les m'a regardé comment que nous venir pour nous implanter une nouvelle école ici qui était déjà là mais situation pas trop bon. Ça fait me content en pile. Moi c'est professeur dans l'école là et moi c'est conseiller pédagogique dans l'école là que me bral content recevoir élèves yo dans année qui vient dans belle école ça 4 chambres classe ça qui bral bâti ça fait me plaisir en pile et me remercier nous toutes qui a metté main ensemble pour faire construction ça arriver dans un point. C'est un grand étonnement père Franzi petit homme qui s'est curé paroisse Notre-Dame Immaculée Conception universitaire qui tire les moins, donc il dit nous, il voulait supporter nous dans la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours dans Grande Source. Donc, il était accueilli le projet nous a présenté. Nous voulons remercier Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui est archevêque métropolitain dans Port-au-Prince. Nous remercier Père Franzi Petit Homme, qui a fait première démarche. Nous remercier Madame Marie-Yonique Augustin, lui-même qui a sponsorisé, qui a investi pour travailler ça, capable de réaliser. Après une belle journée combat, nous allons assister à Père Curia qui pourra le poser premier pierre.